Eh bien salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième étape du tour d'Alex Gaming et de Mister PCM. On est parti pour une étape de vallon du coup, avec beaucoup de pavés, donc elle va être assez compliquée. Pourquoi pas tenter avec Nicky Terpstra, on verra, ou alors avec Mikhail Kwiatkowski. Mais en tout cas, on espère que Froome va perdre pas mal de temps, n'est-ce pas? Au général, on a 34 secondes d'avance sur Porte qui est deuxième et 6 minutes 17 sur Monema qui est troisième avec Nicolas Siro. Je vous rappelle que je suis toujours avec ma DB que j'ai créé, où j'ai créé mon joueur. Et du coup, on va se retrouver au départ. C'est parti. Difficile, qui présente de nombreux secteurs pavés. Les vélos vont être mis à rude épreuve. Rouler sous une telle canicule n'est pas facile. Plusieurs coureurs ne doivent avoir qu'une seule envie, franchir la ligne d'arrivée. Donc voilà, on se retrouve au départ de la course. Vous voyez que les routes sont très petites, donc je sais pas si tout le long pendant 168 bornes, ça va être des routes comme ça. Mais en tout cas, ils sont là comme ça. On est maillot à poids avec Rigoberto Urán, vu qu'on a été le chercher lors de la dernière étape. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous invite à aller voir l'épisode d'avant si vous l'avez raté. Du coup, on va demander à Rigoberto Urán de nous protéger. On va demander à Nicky Terpstra d'attaquer. Ça va être assez coton quand même, parce qu'il est bien enfoui dans le peloton, n'est-ce pas? Il est très loin de la tête. On voit Vincenzo Nibali et El Requin de Messen. Alors, allez Terpstra, ce serait bien de passer, te frayer un petit chemin. Allez mon gars, vas-y, tu peux le faire. Voilà, ça c'est bon. On va voir si normalement c'est bon, on est à 31 minutes avec lui. Et il a un petit 82 en pavé, enfin un très gros 82 en pavé. Du coup on va voir ce que ça va donner, et si on l'envoie et qu'il va au bout, ça peut être pas mal. Allez hop, on se met en effort cure sur 75, on a Anthony Roux qui a attaqué, Yann Barta, Domenico Pozzovivo, déjà. Très bien, Gil Sigmans, où ça roule. Ah, c'est peut-être un favori, c'est peut-être pour ça. Est-ce pour ça? Peut-être. Ou alors ça attaque là, je sais pas. Non, c'est pour nous. Est-ce que c'est pour nous? On va attendre. Voilà, ça roule plus. Ok, c'était pour nous malheureusement. Bon, écoutez, on va pas pouvoir attaquer avec Nicky Terpstra, c'est pas grave, on tentera un truc en fin de course. Avec qui on pourrait attaquer? McRenshaw 67, c'est pas bon. Bah avec Kwiatkowski, mais Kwiatkowski il est 23ème, c'est un peu dérangeant. En plus il est champion du monde. L'excuse de merde, hein, n'est-ce pas? Il va falloir bien rester placé là, parce qu'on a déjà pris dans une petite cassure et les pavés vont très vite arriver. On va falloir faire gaffe. En fait on va demander à Kwiatkowski de nous protéger avec Styros. Hop, comme ça ça va être sympa. Et comme ça on a un très bon coureur pavé qui nous protège, et ça c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Toujours plus sympa que d'avoir un Urán qui est pourri du cul en pavé. Et là, faut augmenter, on voit que Nibali est très bien passé. Alors devant, il y a Roux, Pozzovivo, Yann Barta, Jakob Fuglsang, et ça roule. Pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce Domenico Pozzovivo qui fait cet effet? Je sais pas. Est-ce Jakob Fuglsang? Je sais pas. En tout cas, là, c'est parti. Les premiers pavés, Styro s'est bien placé. Il est quand même loin. On a un 71 pavé, donc c'est plutôt pas mal. Mais attention quand même. Attention quand même. Il faut rester vigilant sur ce genre d'étape. Toujours rester vigilant. Bon, Terpstra est très cool. Et en plus, regardez-moi ça. On va se rebloquer. Oh, bande d'enculé. Allez, te fais pas bloquer, s'il te plaît. Merci. Oh là là, 18%. Aucun, vas-y. 20% dans du pavé. Bon. Ils ont presque pas abusé sur les pourcentages, là, Alex et Mister. Je sais pas ce qu'il a créé, cette étape-là. Parce qu'il y a des étapes qui ont été créées par Mister, il y en a qui ont été créées par Alex, il y en a 2-3 par Fab. Donc je n'en sais rien. Terpstra, va falloir monter aussi parce que tu te fais un petit peu bloquer, mon coco, par le Katusha qui se fait lâcher. Mais on est très bien placé, on est tranquille. Les échappés, ils sont plus que deux. Il n'y a plus que Jakob Fuglsang et Anthony Roux avec 1,50 d'avance. Et nous, est-ce qu'il y a déjà des cassures? Oh là là, ça pète déjà. Oh, un petit groupe là. On est combien là? Un petit groupe de 12? Une dizaine de coureurs, pas plus, hein. Ça pète déjà de partout, regardez-moi ça. Voilà un gros groupe de 156 coureurs lâchés là. C'est qui roule? C'est Pierre Roland. Attention, ouah, il y a eu une grosse chute, elle est où? Oh là là, oh putain, des qui? Du bowling, mon gars. Nicolas Roche à terre. Oh là là, il y a tout le monde qui tombe. Oh, Degen Kolb, il y a Degen Kolb qui est à terre. Le maillot vert, John Degen Kolb est à terre. Favori aujourd'hui, on le rappelle, John Degen Kolb. Il est où? Il est là. Et ouais, il est tombé, attention. Bon, par contre, là, oh là là, c'est parti en couille déjà là. What? Là, on est déjà un petit groupe de 32. Bon. Là, tout le monde est là normalement. Non, Renshaw et Rigoberto Urán sont lâchés. Bon. Apparemment, ça ne roule pas des masses. Non, ça ne roule pas des masses, donc apparemment, ben, le bon groupe est parti, hein. Écoutez, on va mettre en place une petite stratégie pour pas que ça revienne. On va demander à Tony Martin, à la Philippe,
Brambilla et Cavendish de relayer à du 65. C'est très peu. C'est juste pour dire de ne pas repartir. Oh là là, abandon d'Alexander Christophe. Abandon d'Alexander Christophe. D'accord, Brambilla il est. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les copains. On va se calmer là, hein. Bon. Parce que là, c'est qui roule. C'est Bob Jungels, on est déjà plus que 29, hein. Il reste encore 144 bornes, hein. Attention, est-ce qu'il n'y a pas des favoris qui ont été pris dans la chute là? Parce qu'il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup beaucoup de monde, mais il y a un peloton. C'est un peloton, 134 coureurs. Et nous on est parti. On est parti, c'est la Sky. Ouah. À mon avis, Froome est pas là. Hazel. Oh, il y a Richie Porte, le deuxième du général. Il y a le deuxième du général qui est lâché. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bon, lui il est lâché malheureusement. Lui, il va pas tarder, lui non plus. Il y a personne qui tient la route, ou ça se passe comment? Ah, mais là, il faut rouler un peu quand même. Allez, Cavendish, il faut rouler. Mon gars, sûr, mon poteau, tu roules. André Greipel. Crevaison d'André Greipel. Ah, encore une chute. Oh putain, mais il y a des chutes de partout, c'est un truc de fou. Oh, Juan Dennis qui est encore à terre. Il est loin en général, hein, donc pas de soucis. Oh non, chute de Rigoberto Urán. Oh le bâtard. Oh l'enculé. Oh mais... oh, c'est... Il y a tout le monde qui tombe les uns après les autres, c'est un truc de fou. Bon ben Urán, il était bien une belle 33ème place pour le moment. Toi t'es dans le peloton, toi t'es en E3, donc petit bidon. Toi petit bidon. Non, t'es dans le même groupe. C'est ça, est-ce que tu seras encore dans le même groupe? Je sais pas, donc petit bidon. Terpstra, tu vas aller chercher des bidons. Voilà, et c'est Marc Cavendish qui roule, voilà. Il faut pas les laisser revenir parce que le deuxième du général, Richie Porte, est là et on est déjà plus que 11. Il y a Vincenzo Nibali, Bradley Wiggins est là, Peter Sagan, Dries De Venijns, Thomas Vaucler, Yannick Martinez. Attendez, on va aller voir dans le classement, c'est plus simple. Le deuxième du général n'est pas là. Mollema n'est pas là, il est là mais plus bas. Sanchez pas là, Van Garderen pas là, Contador pas là, il est lâché Contador, Rodriguez pas là, Froome pas là, Nibali est là, Nibali est le seul, il va faire une bonne opération si ça reste comme ça là, Vincenzo Nibali. Le petit requin de Messina qui fait une très très bonne opération aujourd'hui, hein. Ok, on est plus que 11, moi je mets un petit tempo quand même avec Marc Cavendish pour... Il y a Alberto Contador qui est derrière mais il fait une fringale, on a Nairo Quintana en fringale, c'est un petit peu le bordel, hein. Est-ce que Fabian Cancellara est là? Très bien, la Trek a roulé en début d'étape, mais Fabian Cancellara n'est pas là. Allez, secteur pavé, là, combien? 15 km le secteur pavé, d'accord. Ils ont bu un truc avant de faire l'étape. Je sais pas quoi. Hein? Petit Eristop blanc, hein? Bon, reconnaîtra qui reconnaîtra. Ok, Martin n'est pas bien. Alaphilippe est... Bah, il est derrière, quoi, il est bien. Terpstra, il est impeccable. On va demander à Terpstra de nous protéger. On va demander à Kwiatkowski de relayer à 65. Et Cavendish aussi, ça va être à 65 parce que Cavendish, il va bientôt crever. Nouvelle crevaison. Ah, en parlant de crevaison. Eh ben, ça part vraiment dans tous les sens, là. Ça part vraiment dans tous les sens. On a Daniel Oss et Edvald Boissenhagen qui tentent de revenir. Ah, John Degen, comme ça, il était tombé en début d'étape. Il est en train de revenir. Est-ce que ça va rester comme ça toute l'étape? Je sais pas, mais si ça reste comme ça, il va y avoir énormément d'abandons. Vraiment beaucoup, beaucoup d'abandons. En plus, il n'y a aucune descente quasiment pour récupérer, donc c'est assez chaud. Et là, Christopher Froome, il est très loin. Je sais même pas si on peut encore le compter comme favori, hein. Parce que Porte, déjà, il est 32ème à 34 secondes. Il a déjà combien de temps? On va le pointer avec nous, tiens. Ça peut être intéressant. Nicolas Tiros, il est là. On pointe, 3 minutes 55, 4 minutes d'écart déjà entre Richie Porte, non 5 minutes, 5 minutes d'écart entre Richie Porte et Styros, le premier et le deuxième du général, le deuxième est en train de péter, clairement, on a Daniel Oss qui est en train de revenir, on est encore 11 là dans le groupe. Hop. Merde. Allez, on a que Kwiatkowski qui roule derrière, et du coup Styros protégé par Niki Terpstra, ça c'est de la protection de luxe, hein, moi je vous le dis. Ah ben, il se fait plaisir. Alors, on va ralentir un petit peu le rythme. On va se mettre à 62 parce que Styros prend un petit coup quand même. Il faut pas non plus trop abuser. Pour ceux qui diraient, ouais, tu t'es cheaté, c'est trop facile. Je me suis pas cheaté, les gars, regardez mes notes. J'ai 83 en montagne déjà. C'est déjà beaucoup moins, enfin beaucoup moins, un point, ça fait beaucoup un point que nos amis Christopher Froome, Nairo Quintana ou Alberto Contador. J'ai que 71 en pavé, c'est comme un Vincenzo Nibali. J'ai que du 75 en chrono parce que quoi, du Froome il a 80, du Contador il a 78, du Nibali il a combien?
Il a 75 aussi, donc c'est pas cheaté du tout. En ballon, je me suis mis 80 aussi. Alors qu'un Contador a 81 peut-être, donc je me suis pas du tout cheaté. Hein. Je me suis même mis un peu plus faible que la plupart des favoris. Donc je me suis pas cheaté du tout, donc parce que je vois déjà les mauvaises langues arriver là dans les commentaires. On va laisser le pointage entre... Non, je sais pas. En tout cas, il y a tout le monde qui fait des fringales, c'est stylé. Le dernier, on va faire un pointage un peu pour rigoler entre Moreno Moser qui est lanterne rouge. Ouah ! Abandon ! Abandon d'Edvald Boissenhagen ! Il était favori aujourd'hui, il était 25ème du classement général et abandon du Norvégien de la MTN QBK, Edvald Boissenhagen, sprinter de la formation sud-africaine. Ah ouais ! Abandon de... Oh là 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 là, tous les abandons. Abandon de Robert Hessing. Robert Hessing, 77 de montagne qui abandonne. Y'a qui d'autre là? Y'a beaucoup beaucoup d'abandons. Attention, s'il n'y a pas des gros favoris qui vont abandonner là. On sait jamais. Ouran, attention, parce qu'il est déjà très très loin. Il est mal placé là. On va demander à Nikita Terpstra d'aller chercher des bidons. Ah ça y est, c'est goudronné maintenant. Y a plus de pavés avant un petit moment, je pense. Ah, Jakob Fuglsang, c'est fini. Désolé Kiki, hein. Hop, on va le mettre à 60 à relayer, ce que aussi, parce qu'il faut pas abuser non plus, faut pas pousser mémé dans les orties, hein, comme on dit. Certains coureurs essayent d'emprunter hop, les bas-côtés hop, hop, pour hop, éviter hop. Il était très long ce secteur pavé, mais en tout cas, maintenant on retrouve un petit peu du goudron, ça fait plaisir un peu aux jambes, ça permet de dépuceler les jambes, ça veut absolument rien dire. Terpstra est en train de crever, pourquoi je ne sais pas, mais il est en train de crever, tout bonnement. Va reculer un peu dans le groupe. Comme ça, Terpstra pourra se reposer un petit peu. Parce que là, il a un petit peu du mal. Là, Niki Terpstra, je veux pas dire, mais pour un favori d'une étape comme ça, il a un petit peu de mal. N'est-ce pas? Il a un moins 3, certes. Mais quand même. Terpstra, là, mon gars, tu me déçois un peu. Il me déçoit un peu, Terpstra. Qu'est-ce qui se passe? 3 minutes, on va faire ralentir encore un peu. Oh, à moins 4, ok. Très bien. Comment ça se fait? Et il a quoi là? Oh là là, Terpstra, il nous a fait quoi? Pédale. Espèce de pédale, vieille pédale de merde. Voilà, c'est sorti du fond du cœur. On va laisser se reposer un peu, n'est-ce pas? On va dire à Kuetkusi de relier tranquille à 55. On va pas se presser. S'il y a des gens qui reviennent, tant mieux pour eux. Terpstra lâché. Terpstra lâché, c'est fini pour Niki Terpstra. Spécialiste pavé, on le rappelle, hein. Niki Terpstra. Bon, c'est très loin après, hein. C'est très très loin. On va pas abuser sur l'allure non plus, hein. Hop, on donne des bidons à tout le monde. Et on accélère le rythme un petit peu. N'est-ce pas? Terpstra est revenu, mais il va bientôt partir. Voilà, il est reparti. C'est fini pour John Degenkolb et Daniel Os. On n'est plus que 7. On n'est plus que 7 dans ce groupe. 8, pardon. Ou en moins 3 provisoires pour Nicolas Tyros. Ça fait mal au cul. Plus 2 pour Mikhail Kwiatkowski. Plus 2 pour Mikhail Kwiatkowski. On va ralentir l'allure là. Allez, on va sur le pavé, par contre, on va accélérer un tout petit peu. Ouais, quand même, c'est hop, aller aux alentours de Mikhail Kwiatkowski. On a John Degenkolb qui n'a pas l'air exceptionnel, alors qu'il c'est un putain de spécialiste pavé. Il a pas l'air exceptionnel là en queue de groupe. Il a l'air un petit peu limite. Ensuite, on a qui aussi dans le groupe? On a Dries De Venijns, le belge de la IAM Cyclist, spécialiste bien pavé, bien entendu, ainsi que Puncher. Un petit peu Puncher, le quintuple maillot vert du Tour de France, Peter Sagan, ou quadruple. Quadruple, je pense. Quadruple maillot vert du Tour de France, Peter Sagan. On a Bradley Wiggins, le vainqueur du Tour 2012. On a ensuite, on a Jakob Fuglsang, coureur de l'Astana. On ne le présente plus, Jakob Fuglsang. Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour 2014. Du Giro 2013. Non, 2013. Oui, 2013. Une Vuelta. Enfin, on le présente plus, Vincenzo Nibali. Et Thomas Vaucler, la grosse surprise qui est là. Ils sont 68 pavés. Et puis voilà, et Mikhail Kwiatkowski qui est là pour rouler, pour mettre le tempo dans ce groupe, pour empêcher les autres de revenir, parce que derrière c'est très loin. Derrière c'est très loin, on a le groupe galopin, là avec Fabian Cancellara, le champion du monde pavé limite on peut dire, ainsi que Alberto Contador qui a 4 minutes de notre groupe, 5 minutes même. Et on va aller voir avec le second du général, on va aller voir ça. Richie Porte il est là, il est là. Richie Porte, il y a combien avec nous? Hop, on fait le pointage. Il y a exactement... Ok, ça n'a pas voulu. Très bien, on va retourner sur Richie Porte, c'est pas grave. Voilà. Merci le jeu. Pointage, ça ne veut pas. Est-ce qu'il se fout de ma gueule? Sûrement. Mais ça me plaît pas du tout. Il y a 10 minutes entre le premier et le second. On est en train de péter ce tour. On est en train de littéralement l'enculer, Richie Porte. Là, désolé du mot, mais on est en train de lui mettre une grosse quenelle, une grosse queue dans le cul, vous voyez? Oh là 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 là.
Excellent, excellent l'opération là de Nicolas Tyros, ça fait plaisir. Encore une chute au sein du peloton. Et ouais, 10 minutes d'écart entre le premier et le deuxième. Il va y avoir beaucoup d'abandon. On va aller voir le dernier où il se trouve là un petit peu. Déjà, Ouran, où te trouves-tu mon ami? Il y a Brambilla qui est dans le même groupe. Moreno Moser, il est très très loin si on fait le pointage entre Moreno Moser et nous qui sommes dans le groupe de tête. Il y a énormément d'écart. Il y a 35 minutes déjà alors qu'il ne reste plus que 52 km. C'est assez énorme. Je dois pas vous le cacher. Oh, je suis dans le groupe galopin. Attention, est-ce que Porte a été pris? Regardez ce qu'on de galopin inter. Pardon. Oh, ça roule pas. Un truc de fou. Greipel et galopin sont tombés. Du coup, ils sont dans le groupe Contador, Mollema, Cancellara, Bardet. Il y a Alaphilippe aussi dans ce groupe qui est très bien. Alaphilippe, malgré le moins et son 61 pavé, il est bien. Il est dans un bon groupe là. Et ça, c'est bon. 12ème du classement général. Là, il va garder une bonne place. Il va même rentrer dans le top 10, je pense. Oulala, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin. Attendez, on va voir s'il va rentrer dans le top 10. En tout cas, Boké Mollema, il est dans le 3, comme à la Philippe. Sanchez, ok, on garde run. Déjà, est-ce qu'il va prendre? Pas de Peter Sagan, pas de Vauclair, pas de Nibali. Ah, il va peut-être pas passer. Attention, est-ce que Froome, il est où? Il est très... What? On va faire le pointage entre Froome et nous. Attention, là, ça va faire mal au cul. Froome et nous, le pointage. Ça n'a pas voulu. Très bien. Pointage. Christopher Froome. Il est où? Ah ouais, mais comment je vais le retrouver, Froome? Bah comme ça, je suis con. Christopher Froome, le pointage. Décroché. Ça veut pas. Chris Froome est décroché. Ouais, bah depuis longtemps, frère. Hein. Putain, t'es long un peu. On a un cigare et pris dans une 18 minutes entre nous et Christopher Froome. C'est tout simplement hallucinant. Il va perdre plus de 20 minutes aujourd'hui. Le coureur britannique de la Team Sky. Et ça fait plaisir. Ça, c'est bon, ça. Mon Nikita Terpstra, il se repose un peu, ça c'est cool. On a à la fin pour le classement par équipe, ça c'est excellent. Donc malgré le moins 3, on va se faire une putain d'opération. Kwiatkowski va chercher les derniers bidons de l'étape. Et là, le dernier secteur pavé. Le dernier secteur pavé, on va lui demander d'accélérer un petit peu le rythme. C'est le dernier secteur, on peut se faire plaisir, on a toute notre barre. Donc on va se faire plaisir, on va essayer de faire péter encore un petit peu plus Christopher Froome et Richie Porte. En tout cas au sprint, on s'est baisé. En tout cas la victoire d'étape, à moins d'une attaque, je sais pas. On va tenter de faire gagner Kwiatkowski parce qu'il a travaillé toute l'étape et ça serait largement mérité pour lui qu'il l'emporte parce que tout le long il a relayé tout seul. Il a bien évidemment été aidé par Nicky Terpstra, ça c'est évident. Alors Nicky Terpstra, on va lui demander de rouler. Lui aussi 68, lui aussi 68. Attendez, j'ai bien regardé qu'il est tout seul à la Philippe. Il y avait Krulans, Greipel, ouais, mais il n'y a personne du général. Ils sont devant. On va faire gaffe à ce que... Oula, mais en fait, il est pas si loin que ça, Alberto Contador. Hein. Contador, il n'y a que 5 minutes. Enfin, que 5. Ça va, quoi. Ça peut aller. Allez, encore 9, là. Ce serait cool de tout faire péter avec Mikhail Kwiatkowski. À 37 km de l'arrivée, le secteur pavé fait 23 km 800. C'est assez énorme. Je dois vous l'avouer, c'est assez énorme. Je vais pas vous le cacher. Allez, on fait relayer, ça se passe plutôt cool. C'est plutôt cool pour le moment. Toujours pas d'attaque dans ce groupe. On a la moitié du secteur, pardon. Et ça se passe toujours bien. Ok, moins 1 pour Styros. C'est cool, il a pas un moins 3. Ah, dommage, regardez, c'est ça, il était revenu. Bon, tant pis. Alaphilippe, par contre, il est bien. Alaphilippe, il est très bien. Ah, il est pas si bien que ça, Alaphilippe. Ah, merde. Bon, tout le monde va se mettre en effort curseur, façon plus rien à perdre. Touran, t'as 20 000 km là. Allez, mon pote. Allez, on fait tout péter là. On va. Ah, mais s'il n'y a pas le groupe à Contador qui va pas revenir là. Il reviendra pas. On va lui demander de décélérer là un petit peu, Mikhail Kwiatkowski. Pour se reposer un petit peu, vous voyez. Là, on se repose un peu. Là, ça fait plaisir aux jambes. Allez, les derniers bidons. Merde. Oh, Nicky Terpstra, il est revenu. Oh, mon pote, tu fais plaise. Oh, qu'est-ce que tu fais plaise, mon gars. Allez, là. Retourne relayer, mon pote. C'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il fait plaise, Nicky Terpstra. Oh là là. Bon, le moins 4, il gagnera pas. Certes. Allez, là. On va demander une attaque de Mikhail Kwiatkowski. Allez, attaque de Mikhail Kwiatkowski dans ce groupe de tête. On va viser la victoire d'étape avec Mikhail Kwiatkowski. Ça attaque, ça attaque.
ça attaque et Mikhail Kwiatkowski qui s'envole. Il s'envole Mikhail Kwiatkowski à 9 km de l'arrivée. On attaque avec Mikhail Kwiatkowski et ça suit pas. Ça peut pas suivre, il est trop fort. Mikhail Kwiatkowski, on va pas rouler bien évidemment avec Styro, ça serait un peu gogol. Mais il ne suit pas, on va prendre le ravito avec Terpstra, avec tout le monde d'ailleurs. Hop, 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 voilà. Styro Zilo, calme, et Kwiatkowski qui s'envole vers une victoire d'étape de prestige. Ça sera mérité, il aura roulé tout le long de l'étape devant. Et c'est lui qui va venir s'imposer ici. À Courtapin, le nom de ville inventé, mais super. Vraiment, très très grosse victoire de Mikhail Kwiatkowski à la pédale. Hein. Vraiment à la pédale, énorme. Plus personne, plus de barre verte, plus rien. On va s'amuser, on va faire un dernier pointage entre... Oh, il est à 30 km, laisse tomber. L'abandon pour Moreno Moser, je pense. L'abandon pour Moreno Moser et Kwiatkowski. 3 minutes d'avance. Hop, on va sur le dernier. Moreno Moser, allez, bouge tes couilles, s'il te plaît. Va voir l'arrivée. 55 minutes. Et voilà, victoire de Mikhail Kwiatkowski. De la ATX Quickstep. Devant qui? Ça, c'est telle est la question, ça. Allez, on va sprinter. On va sprinter s'ils ont la force de sprinter. Est-ce qu'on va pas faire le doublé? Non, Peter Sagan est plus fort. Bah, ça, c'est logique, c'est un sprinter, quel con. On va pas faire un podium. Ah, en tout cas, énorme victoire de Mikhail Kwiatkowski sur cette quatrième étape du tour d'Alex PC... Alex PCM. Oulalalala. Alex Gaming et Mister PCM. Donc voici le top 10 de cette étape. Mikhail Kwiatkowski vainqueur pour la ATX Quickstep. Peter Sagan 2, John Degenkolb 3, 4ème place pour Nicolas Styro, 5ème place pour Thomas Vaucler, 6ème place pour Bradley Wiggins, 7ème place pour Dries Devenhains, 8ème place pour Vincenzo Nibali, 9ème place pour Niki Terpstra et 10ème place pour Jakob Fuglsang. Belle opération au niveau du classement par équipe et très très bonne opération au général, bien évidemment, vu que Froome n'est pas encore passé et le chrono est déjà à 30 minutes. Vous voulez que je vous dise quoi, moi, les potes? Oh là là, un truc de fou. Rodriguez passe seulement maintenant. Oh là là. Est-ce que... Je l'ai vu. Je l'ai vu, Christopher Froome. Il vient de passer à 40 minutes. C'est une blague. Ah. Christopher Froome passe à 40 minutes. Il va y avoir des dégâts parce que l'étape faisait entre guillemets que 170 bornes. Et voilà, déjà abandon de Moreno Moser là. Abandon de Mathias Franck. Abandon de Maika, Ellison, de Landa. Oh là là, Rogers. Où ça a fait des dégâts, mais quelle victoire de Mikhail Kwiatkowski devant. En tout cas, voici les podiums avec le champion du monde, Mikhail Kwiatkowski. Ok, très joli palmier. Ok, voilà. Avec 3,37 d'avance sur les seconds, ça c'est cool. On est leader avec 8,21 d'avance sur Vincenzo Nibali. Richie Porte est relégué 9ème à 18 minutes 50. Comment dire que le tour peut-être pas n'est plié parce qu'il y a Vincenzo Nibali. Il a 83 comme nous en montagne, donc ça risque d'être une belle bataille. On a Kwiatkowski qui revient 6ème à 11 minutes. Que demander de plus, quoi? Que demander de plus? Maillot vert, c'est pour John Degenkolb qui le garde, bien évidemment, grâce à son beau sprint. Maillot blanc, point rouge, normalement, c'est bien évidemment Rigoberto Urán avec ses 70 points, avec 13 points d'avance devant Carlos Alberto Betancourt, pardon. Et bien évidemment, on est maillot blanc qui sera porté lors de la prochaine étape par Peter Sagan. Et le classement par équipe, pas de surprise. On est leader avec 40 minutes d'avance sur la Team Astana. Et ça, ça fait plaisir. Et je peux pas non plus jouer en difficulté plus élevée puisque je joue déjà en difficile, donc... Vous n'allez pas me dire, hein, c'est de la merde, tu gagnes tout facile, ouais, oh, hein. Bon, on va voir un petit peu les favoris. Vincenzo Nibali, bien évidemment. Alberto Contador perd 21 minutes et termine. Et 12ème du général à 24 minutes. Bardet 35 minutes, 17ème du général. Oh, d'accord, Richie Porte, il est 9ème, il perd 21 minutes 53. Moi, je veux voir Christopher Froome. Christopher Froome. Le cheaté Christopher Froome. Oh là 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 là, déjà le nombre d'abandons. Combien d'abandons? Alors on a qui abandonne? On n'est plus que... Combien? On n'est plus que 150. Alors qu'au départ on était quand même 198. Hein. C'est pas mal. Alors, abandon de qui? De fort quand même. Rafa Maika qui abandonne. Mikel Landa, Marcel Kittel, Robert Racing, Alberto Losada, Luis Leon Sanchez, Domenico Pozzovivo, Michael Rogers, Mathias Franck aussi, Edvald Boasson-Hagen et Alexander Christophe. Oh là là, beaucoup d'abandon, beaucoup beaucoup d'abandon. On va aller voir Chris Froome, on va descendre tout en bas, bien évidemment, pardon. Alors, Christopher Froome, le Britannique, où se place-t-il? Il est là, il perd 41 minutes au général, il est 38ème à 45 minutes. Christopher Froome a tout perdu suite à cette étape, on va regarder. Nairo Quintana, il est où Nairo Quintana? Il est là, il a perdu 29 minutes, il est 23ème du général à 36 minutes. Comment dire qu'on a fait fort? Kwiatkowski est 6ème, on a mis... bon, par contre, au général... Là, le problème, c'est Rigoberto Urán
Il passe 45ème à 48 minutes. Malheureusement, bon, il pourra partir dans les échappées pour les points de la montagne, ça c'est cool. On a qui? On a Nicky Terstra qui est 16ème, Alaphilippe qui est 13ème, Kwiatkowski 6, enfin voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, une étape par vidéo. La prochaine fois, regardez-moi ce parcours de malade mental. C'est arrivé, je pense que le col final fait 60 km et c'est du noir complet avec quelques petites descentes et l'étape fait 250 bandes. Les favoris, vous les voyez. On n'est pas du tout favoris, vous voyez, je me suis pas cheaté. On a quand même du plus fort que nous. Attention à Vincenzo Nibali qui est second. Certes 9 minutes, mais il est quand même second. Du coup voilà, en tout cas, un énorme pouce bleu si vous le voulez bien sous la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça mériterait le travail fourni derrière cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Twitch, tous les liens sont dans la description. Et puis vous pouvez me rejoindre sur Skype et sur la PS4, Monsieur Jeux Vidéo 13, le pseudo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous promets le prochain épisode très vite. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao.